Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. En fait, cet article que j'ai appelé du coup The New E-Normal illustre en fait à quel point, selon nous, en fait, la crise du coronavirus va vraiment entraîner des changements de paradigme qui vont avoir lieu beaucoup plus vite qu'en temps normal et où on va vraiment se. Il y a une vraie transition d'un monde extrêmement physique à un monde beaucoup plus digital. Et en fait, ce qui est assez exceptionnel, c'est que pendant cette période, toutes les barrières d'adoption ont été mais écrasées, et notamment aussi d'un point de vue régulation, ce qui fait que ça a entraîné énormément de nouveaux comportements digitaux Oui, de mais la ce sont part des des différentes cibles. ces barrières ont été enfoncées de manière forcée et les comportements ont été aussi un peu forcés. Donc, dans quelle mesure, Ouais. quand on aura un semblant Ouais. de retour à la normale, on va pas avoir un retour en arrière justement des comportements et Ouais. des nouvelles pratiques? En fait, selon nous, et après évidemment l'avenir le dira, mais il y a des. Évidemment, ça ne va pas du tout s'appliquer à tous les secteurs. Mais si on prend le secteur de la food, par exemple, c'est l'adoption qui est le plus compliqué. Mais une fois qu'on s'est fait à la convenience, La facilité à d'usage. la facilité d'usage et à tous les bénéfices que ça apporte de pouvoir en fait faire les courses de chez soi, de son ordinateur. Extrêmement rapidement, de ne plus avoir à se déplacer, de pouvoir avoir la livraison à l'horaire qui vous arrange chez vous, le gain de temps que ça représente, l'inspiration en fait que ça représente aussi, parce que du coup vous pouvez vous inspirer à côté sur votre ordinateur de certaines recettes, faire vos choix en fonction, développer des programmes de loyauté qui sont automatisés avec Monoprix ou avec Carrefour et en fait ça on considère que du coup c'est des habitudes, une fois qu'elles sont prises, il y a de fortes chances qu'elles s'ancrent.